merde. Allez, voilà. Allez, très bien. Posé. Super. Super. Merci. Super. Il n'y a plus que la deuxième. Il y en a encore une deuxième? Oui. Ouais, mais... ça, c'est qu'une batterie. Ça, c'est une batterie. Une deuxième est actuellement sur le bateau. On va la débarquer demain matin. Ce soir. Ma fille, faut... Voilà. Et... ça fait donc au total 12 kWh par jour entre les deux batteries. Et dès cet après-midi, je monte le système. Pratiquement tout est là. Dès qu'on a en route un peu d'énergie, oui, il faudrait vite monter l'antenne de communication. Professeur. Oui. Oui, là. Donc là, latéralement. Latéralement, c'est bon. On a intérêt à être nombreux pour la mettre. Ou alors on la met sous le vent et on peut la tourner. De côté. De côté. Ouais. Latéralement. Ouais. Latéralement par rapport au vent. C'est assez fort. Et le satellite, il est. Il est à 12,5 degrés. Ah. Et on n'entend rien, professeur Henri. Mais ça va viendre. Ah, d'accord. C'est comme un stéthoscope dans le ciel, ça. Voilà. Voilà, donc avec trois pièces électroniques, batterie lithium-ion, voilà. Et vous l'êtes, vous voyez, tout est emballé, hein. J'ai tout emballé pour que ça ne bouge pas à l'intérieur. Hein. Donc voilà les quatre roulettes. Il faut bien la poser, ensuite on l'ajuste. Voilà. Et voilà. D'accord. Ensuite, pour éviter qu'elle ne tombe, je vais enlever ces deux choses-là, latéralement, devant et derrière. Avec un petit filet. Bravo. Voilà. Je partirai pour une garantie de 20 ans. C'est quasiment un facteur 10. Un facteur 10, ce n'est pas négligeable. Ouais, une, ouais, deux. Vous savez, par contre, c'est que cette batterie. Oui, cette batterie est environ 4 à 5 fois plus énergétique, ce qui fait que ça donne 4 à 5 fois plus d'autonomie à un sous-marin. Et quand on sait qu'un sous-marin d'attaque, lorsqu'il doit partir à pleine vitesse en immersion en énergie électrique, il a à peu près 6 à 8 heures d'autonomie batterie, ce qui ne fait pas beaucoup. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme. Et là, il en aurait donc 4 fois plus. C'est déjà beaucoup. Là, c'est déjà beaucoup plus. Ça devient carrément, mais carrément intéressant. Voilà, et nous on va l'utiliser tranquillement pour faire des télécoms. Elle pèse à environ 80 kg. Et si on avait dû utiliser du plomb pour l'application Hyperton, on serait actuellement à 3 tonnes de plomb. 3 tonnes, 3 tonnes de plomb, oui, au lieu de 80 kg. Fantastique, hein.
Voilà, madame la batterie. La batterie marine. C'est tout, ouais. Thank you.
un pour la charge, un pour la décharge et pour des raisons de sécurité. C'est une gestion électronique de la charge et de la décharge. Est-ce qu'il y en aura une pour les éoliennes et une pour les panneaux solaires ou... Non, il y en a une pour éoliennes ici et panneaux solaires régulés là. Et ça fait deux ensembles d'énergie complètement séparés, ce qui fait que s'il y en a un qui a un problème, qui tombe en panne, quelle que soit la raison, il y aura toujours l'autre pour sortir d'affaire. Ce qu'on appelle une redondance en termes de fiabilité. Système redondant. Voilà. C'est bon, ça marche ? Ouais. Il en branche tout à l'heure. C'est bon ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je me demandais. Il ne faut pas que tu aies de petits fils qui ressortent. Voilà. Ça va ? Ouais. C'était quoi ça comme branchement ? Ça, c'est la prise de dessale. La prise de dessale, d'accord. Ouais. On peut théoriquement en haut en automatique. Donc ça ira là. Ça ira là, voilà, c'est ça. Non, je ne voulais pas des joyaux. Non, non, non. Non, non. Là, c'est fantastique, ça marche très très bien. Actuellement, toute la consommation de la base est prise sur un seul champ solaire associé à ce calculateur. Donc ici, qui en est en train de consommer 23 ampères. Oui. Et en champ solaire, on fournit, il n'y a que 7 ensembles de panneaux sur 21 qui sont actifs. C'est-à-dire qu'on peut en avoir énormément plus encore. On a un surcroît de fourniture d'énergie par rapport à notre consommation. C'est fantastique. Hein. Donc et tu as arrêté les éoliennes donc parce les éoliennes que les batteries sont pleines. Parce que les batteries sont pleines. Donc on a trop d'électricité. On a trop d'électricité. Alors et les éoliennes. Il y a les deux champs électriques qui fonctionnent. Et les deux champs solaires sont en fonctionnement. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette électricité ? La consommer. Bon, là, les batteries sont pleines. La consommer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir produire beaucoup d'eau douce pour les douches. Et les panneaux solaires, je les régule. Par contre, la nuit, il n'y a pas de panneaux solaires, mais il y aura les éoliennes. Donc, on a prévu, autant que je me souvienne, s'il y a un trop-plein d'électricité, de faire de l'eau. De faire de l'eau. On fait de l'eau. On remplit. D'accord. Donc, on fait de l'eau. Tant qu'on a de l'électricité en trop. Tant qu'il y a de l'électricité, on fait de l'eau. Jusqu'à ce que les réservoirs soient pleins. D'accord. Voilà. Donne-moi un exemple. On pourrait rajouter quoi, par exemple, un congélateur ? Parce que je crois que les chercheurs vont avoir besoin d'espace de froid. Actuellement, on pourrait rajouter. Actuellement, là, avec sur les panneaux solaires, on pourrait faire deux fois la cuisine. C'est-à-dire deux congélos et un frigo de plus. Et sans rajouter éolienne, ça fait encore un petit peu plus. Et comme la courbe de puissance de l'éolienne, c'est une cubique, chaque fois qu'on double la vitesse du vent, la puissance est fournie et multipliée par 8. Donc ça devient rapidement très très important. Et les batteries marchent très bien. Quand elles sont pleines, ça ne donne pas l'alerte, ça s'arrête tout seul. Elles arrêtent donc... Ça arrête la fourniture d'énergie. Elles font disjoncter. C'est régulé, c'est autorégulé. Donc il y a deux sécurités. Il y a une sécurité qui est ici à l'intérieur, de l'adaptateur d'éolienne, parce que l'éolienne fournit une tension qui est très variable en fonction de la vitesse de rotation. Ouais. Donc ça c'est un boîtier d'adaptation, ceci est un boîtier de régulation par calculateur. Il y a encore une électronique dans les batteries, en sécurité, en troisième niveau de sécurité. Ouais. Donc il y a trois sécurités successives. Donc tu vas partir bientôt. Oui. Est-ce que ces batteries, donc tu vas les suivre à distance ? Comment donc ces batteries sont prévues d'être suivies à distance par un câble Ethernet qui est branché sur notre chère antenne. D'accord. Et donc à distance, je vais pouvoir suivre tout ce qui se passe dans le calculateur. Donc tous les paramètres. Suivi de... Ouais. D'accord. Je vais les avoir à distance. Et si tu veux changer le soft, je peux changer le soft. Et depuis Bordeaux, je pourrais arrêter les panneaux solaires et mettre en marche l'éolienne. Tu peux piloter la station électrique depuis Bordeaux. Oui, je peux piloter la station depuis Bordeaux. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est prévu comme ça. C'est une fusée. Pour une éolienne, il y a deux solutions. Ou bien on met l'éolienne en court-circuit, ce qui est le cas ici. Ouais. Et lorsqu'elle s'arrête de tourner, ce qu'on voit là-bas, elle ne tourne pas très vite. Ou alors, on laisse tourner l'éolienne à sa vitesse nominale, et dans ce cas, on dissipe la puissance dans ses grosses résistances quand les batteries sont pleines. Ouais. Il y a deux solutions. Alors, ce boîtier d'interface éolienne dissipe la puissance dans les résistances. C'est touché ? Oui, c'est là elles sont pleines. Et le calculateur ici, en sécurité, fait un court-circuit par ce relais sur l'éolienne en direct, de façon à avoir une sécurité supplémentaire sur l'éolienne. De façon à ne pas surcharger la batterie. Est-ce que... Elle est pleine de chez pleine. Donc il y a marine et océan, elles sont identiques. Alors marine et océan, elles sont identiques. Ce sont deux batteries expérimentales dont les éléments de stockage d'énergie sont fabriqués par la SAFT à Bordeaux. Les batteries sont montées par SAFT Poitiers.
Et ce sont les deux tout premiers prototypes fabriqués par Saft Poitiers, destinés à la DGA pour équiper, pour un futur équipement de sous-marin et pour remplacer les batteries plomb. Alors, il faut savoir qu'une batterie au lithium comme ça, que le lithium-ion, est 4 fois plus énergétique que le plomb. Ce qui fait qu'un sous-marin qui part à toute vitesse en moteur électrique en plongée profonde a à peu près 6 à 8 heures d'autonomie. Et avec une batterie comme ça, il aurait jusqu'à 24 heures, 24 à 32 heures d'autonomie. Donc ça intéresse évidemment beaucoup de monde. Tu disais que une batterie comme ça, ou les deux réunies, si on avait voulu avoir l'équivalent en batterie au plomb, si on avait voulu 3 tonnes. Avoir l'équivalent en batterie au plomb, il aurait fallu 3 tonnes de plomb, de façon à ce que le plomb puisse supporter les courants de charge et décharge. Donc les deux, 120 kg de lithium-ion sont équivalents à 3 tonnes de batterie au plomb. Oui. Pas en volume d'énergie, mais en volume, en fonctionnalité. En fonctionnalité. Et est-ce que ces batteries pourraient aller sur des voitures ? Oui, réponse oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui s'y fait notre intérêt, c'est de pouvoir utiliser ces batteries, non pas pour nous, université, sur des sous-marins, bien sûr, mais sur des véhicules électriques, c'est-à-dire des voitures, des camions, des bateaux électriques éventuellement. Oui, c'est le but, c'est le but, tout à fait. Le but pour moi est d'étudier ces batteries, le comportement de ces batteries, et de les mettre en œuvre, de savoir les mettre en œuvre. Parce que le processus de mettre en œuvre est compliqué, il faut un calculateur assez sophistiqué pour les mettre en œuvre. Ici, là, sur Clipperton, tu as mis deux systèmes en parallèle, donc éolienne solaire, et chacune a sa batterie. Pourquoi tu as mis deux Ils ne sont pas en parallèle, ils sont complètement séparés. Ouais. Et ils ont des fonctionnalités différentes. Ce sont des systèmes redondants, c'est-à-dire que si un système tombe en panne, tu auras toujours l'autre pour prendre le relais. Alors, ça peut se voir très bien ici au tableau électrique général. Ouais. Sur le tableau électrique général, tu as une batterie de prise. Et si une batterie tombe en panne, il suffira de déconnecter ici cette prise-là qui actuellement alimente l'antenne de transmission satellite et de la passer sur notre batterie automatiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la redondance. Ça permet d'avoir une plus grande fiabilité. On aurait pu les mettre en parallèle, strict. Toi, tu vas surveiller donc à distance, oui, bien sûr. Et est-ce que tu peux intervenir ? Je peux intervenir. Je peux non seulement intervenir, mais je peux arrêter le système, modifier le logiciel s'il y a un bug. À distance, je peux modifier le logiciel du calculateur et le relancer. Voilà. Et faire un bip à l'alarme pour t'avertir que c'est certain. C'est surprenant. Et ça, c'est l'intérêt de tout le système informatique que tu vois là, avec tous les routeurs et la passerelle Internet et la fameuse antenne de télécom d'Astrayon. Je comprends maintenant pourquoi ça fait 8 mois que tu travailles sur le système. Imaginons le pire, il y a, je ne sais pas quoi, un début d'incendie, quelque chose ici, parce qu'on fait une bêtise, un peu d'essence est stockée. Est-ce que ces batteries, qu'est-ce qu'il faut faire, sur ces batteries, tu as 3 interrupteurs ici. Oui. D'accord. Un pour le calculateur, un pour la décharge, un pour la charge. Oui. S'il y a un problème, un début d'incendie. S'il y a un problème, c'est. Voilà, 3 interrupteurs. Oui. Tu débranches ta batterie, tu peux très facilement la débrancher ici. Voilà, et hop, la batterie dehors. Il faut la sortir quand même. La sortir. Et là, oui. Le risque, c'est quoi ? Le risque est de voir les éléments en lithium prendre feu au contact de l'oxygène de l'air à cause de la haute température qui aurait fait fondre les containers d'aluminium, les blocs d'aluminium. C'est un risque qui existe et logiquement, le bloc batterie est prévu pour que l'évacuation des gaz se fasse par le bas. D'accord. Se fera par le bas, c'est pour ça qu'elles sont montées sur roulettes de façon à dégager la partie inférieure. Oui. Il y a quelques petits risques avec les aimants lithium qui n'existent pas avec le plomb, le cadmium, le lithium métallique, effectivement. C'est disons pour ça qu'on essaie de les mettre en œuvre en prenant énormément de précautions, avec 1, 2 et 3 sécurités par exemple sur les éoliennes, avec 3 sécurités pour les panneaux solaires, la 3e n'est pas ici, elle est dehors à côté des panneaux. On prend beaucoup de précautions, beaucoup de précautions. Voilà, et pour les mettre en œuvre, il y a un premier contact pour le calculateur interne, un contact pour la charge et un contact pour la décharge. Tout ça, ça se passe à l'intérieur. Voilà. Les VRV, c'est très impressionnant. Elles sont protégées. C'est magnifique. En plus, ça marche. Écoute, je suis très impressionné. Et en plus, en plus, tu nous annonces que ça marche, mais qu'on a un confort électrique... En plus, ça marche. Énorme. C'est-à-dire, on pourrait presque avoir le double de consommation par... C'est-à-dire que j'ai quand même prévu un peu large, un éolien et un solaire. Et en plus, les éoliennes dépassent tout ce que tu avais prévu en termes de. Oui, ce ne sont pas les éoliennes, c'est le vent. Oui, c'est le rendement des éoliennes, oui. C'est le vent qui dépasse ce qui était prévu. Ouais.
on peut envisager de mettre 2 ou 3 ampoules dans le camp pour la nuit, pour le soir. Pour le soir, oui, ouais. Pour éclairer les passages. On a des ampoules de basse consommation. De basse consommation, oui. Et on a des 7 et des 11 watts. Oui, donc pas de problème, on peut envisager tout ça. Pas de problème. Tu avais peur aussi pour la consommation de l'antenne. Tu nous as dit contact à Internet, accès à Internet, mais limité dans le temps, dans la journée à cause de la consommation. Apparemment, ça se passe plutôt bien, et si on ne fait pas d'internet pendant 24 heures, ça se passera très très bien. Très très bien. C'est-à-dire que là, on peut faire l'internet pendant plusieurs heures. Sans avoir trop de soucis. Sans avoir a priori trop de soucis. D'accord. Enfin, trop de soucis. Là, actuellement, la consommation internet est branchée, voilà. Internet, c'est cette prise-là, c'est branché sur les panneaux solaires, avec la cuisine. Et tout au long temps, ensemble, rien que sur les panneaux solaires. Comment, donc on est sur une opération, on envoie des messages, on envoie des images, donc l'antenne tourne depuis un moment, s'il y a un petit problème de charge, est-ce qu'on est informé sur l'ordinateur ou comment ça se passe? Des messages. Ouais, il y a des messages, ouais. Et tu auras par une ligne supplémentaire ici qui va aller vers les Mac, vers les ordinateurs, tu vas avoir accès à plusieurs pages d'informations. D'informations très détaillées qui vont te dire tout ce qui se passe. Alors il y a certaines informations qui sont très profondes dans le système que tu ne pourras pas interpréter, qui n'ont pas d'intérêt, mais les deux premières pages d'informations vont te dire. Non mais là toi tu me parles de ton armoire là, mais moi je parle de l'ordinateur, je suis de l'autre côté, j'envoie un message, j'envoie des photos, on a construit un communiqué. On n'a pas eu le temps de faire un système qui puisse t'envoyer un message directement. Dire attention, il n'y a pas assez d'énergie pour l'antenne. On n'a pas eu le temps. D'accord. Donc c'est à nous en fait avant de... Il y a un bip, hein. Il y a quand même un gros bip. Un bip qui dit qu'attention... Là... Oui, il y a un gros bip qui dit attention. Voilà. Bravo, est-ce qu'on a considéré que tu as fini là? Là, c'est pratiquement fini. Je dois changer les programmes informatiques qui sont les programmes de test à l'intérieur des calculateurs. Terminer le câblage de la base du camp en 220, et pour moi c'est terminé. Ici la prise de chez lui, là, il n'y a pas de jus sur sa prise Ethernet. Ça s'allume plus. You're just going to write it down? Mm-hmm. Redfoot Booby, 23 March, this is around 9 p.m. It's the one that flew into the tent. Okay. You ready? Yeah. OXMI. Une énorme étoile de mer. Je suis en diagonale par là.
Thank you.